Greg, 5 days in Europe, but the last 2 days there's a Dutch guy behind the podium as well. He won the two stages, last stage. Did you see the sprints? And can you say something about what you saw of the Gulliver in the last 2 days? Yeah, I think he's really coming up sprinter. He's super strong. The progression he made in 2 years was quite impressive. And yeah, the sprints that I saw here, and but also anywhere else this year, I think he's probably on the moment the fastest rider in the peloton if he's in good position. He had a few years Kev, who was probably unbeatable where he had the space. Last year was Kittel there, and I think on this point for sure, I think Groenewey is up there, and he's really for me one of the top sprinters of the world from the moment. La question est avec toi derrière le podium, tu as dû voir un coureur hollandais. As-tu vu un peu le sprint? Que penses-tu de l'Indre Regen? Greg dit, c'est vraiment le sprinter qui progresse en ce moment. Sa progression depuis 2 ans est impressionnante. Il marche ici, mais aussi ailleurs dans d'autres courses. Il a montré cette année qu'il est le plus rapide du peloton s'il est en bonne position. Pendant quelques années, on a eu Marc Cavendish dans ce rôle. L'an passé, c'était Kittel. Et maintenant, Dylan est vraiment un des tout meilleurs sprinters. La question suivante pour la salle de presse. Next question for the press room. Hey Greg, we met already on the press conference in the days before the Tour de France. That day, you said probably you're going to have news on your future today. So. This is the crucial Saturday. What can you tell us about your future? Did you decide you have news for us? My future is I'm gonna ride the yellow tomorrow in Roubaix. But no, I cannot say anything. I think I leave my management and the manager of the team also let know the press, I think, if there's something coming out. So for the moment I cannot say anything, and yeah, hopefully I have some extra news on the next few days. Conférence de presse avant le départ du Tour de France, tu as dit que tu aurais probablement des nouvelles données aujourd'hui concernant ton avenir. Greg dit mon avenir, ça va être de porter le maillot jaune dans l'étape qui va arriver demain. Non, autrement, je ne peux rien dire. Je laisse mon management s'occuper de ça et aussi l'annoncer à l'équipe avant que ça vienne sous presse. Je ne peux rien dire pour le moment, mais j'espère avoir des nouvelles à annoncer dans les prochains jours. La question suivante pour le Carvisio. Hi Greg, sorry maybe if you already answered to this question, but about tomorrow's stage, do you think there will be the space to play your cards? Or the main goal would be to have Richie? Yeah, we try to do both. Yeah. We for sure Richie is the main goal. That was the goal of the tour. We try to get Richie on the podium in Paris. For sure, 6 guys of our team gonna be take care of Richie. And then yeah, I'm the only guy who has left. And maybe if there is a certain circumstances where. We try to keep Richie as long as possible with me, but if there's a moment where we can say, yeah, I have to follow somebody, an attack or something, I can follow, and the other 6 guys gonna take care of Richie. Est-ce que demain tu vas jouer ta carte ou bien l'objectif principal sera d'aider Richie Porte? Greg dit, on va essayer de faire les deux. L'objectif principal, c'est d'amener Richie sur le podium final du Tour de France à Paris. Donc demain, 6 coureurs vont s'occuper de lui et moi je vais évoluer de mon côté. Si les circonstances le permettent, Richie va rester avec moi le plus longtemps possible. Et après, si je peux suivre le mouvement pour la victoire, je suivrai. Les deux dernières questions, s'il vous plaît. Two last questions. Question suivante pour le car visio. Greg, tomorrow's stage arrive after 8 days of race. This is something that can influence the performance
of the classic riders as you, as Peter, as all the other guys, because normally classics, I mean, are completely different in this sense. Is something that can affect the performance or not? Yeah, sure. I think one day race is really specific. Some guys are really good at one day, especially me. I think I'm also a guy who really perform sometimes over my limits on a one day race, where I lose maybe a little bit of my capacities in a stage race where you really have to cut downs by yourself. And if it really comes to like a really important day, you lose a little bit of energy. So I think it's probably uncomparable, first of all, with the peloton we are riding here, and then also the distance is not the same. But I think, yeah, it's cool to have a kind of stage like this in the Tour, and for sure it's going to be a big spectacle. Donc, est-ce que demain, après 8 jours de course, est-ce que les 8 jours de course qu'on vient de vivre vont influer sur la performance des coureurs de classique comme toi, comme Peter, ou bien pas du tout? Donc là, il dit oui, oui, certainement. La course d'un jour est quelque chose de très spécifique. Certains coureurs sont très bons sur un jour et moins par étape. Moi, par exemple, sur un jour, je peux aller au-delà de mes limites et ce n'est pas pareil dans la course par étape. Il y a des jours où on perd de l'énergie. Ce n'est pas vraiment, ce qui va se passer demain n'est pas vraiment comparable avec une classique. Le peloton est différent, la composition du peloton est différente, la distance de l'étape est différente, mais c'est vraiment bien d'avoir une étape comme ça dans un Tour de France. Et la dernière question pour Hugo Corvitz en salle de presse. Greg, good afternoon. Can you explain me why the first week was so predictable? We had a nice course on paper with tricky things, and after all, the peloton was passive. Are they scared for Roubaix, or are they scared for the stages from next week? I think the circumstances were not that great, I don't want to say. I think it was for us quite good, but I think the last two stages, if you have wind or rain, I think it's a big difference. The Parker also today, we had a lot of open space. I think if the wind blows there from the right direction, you have maybe two really kind of pari tours in the middle of the Tour, which would have been a totally different view of everybody around, I think. Till there, to Muro Britannia, I think the parkour was pretty good. But then you also have to be aware of the circumstances of the weather. I think it's also a big difference in cycling. Est-ce que tu peux expliquer pourquoi la première semaine de venir vivre a été si prévisible? Sur le papier, c'était alléchant, avec beaucoup de pièges, et puis finalement, le peloton a été passif. Est-ce que tu penses que c'est la perspective d'une étape similaire à Paris-Roubaix, ou la montagne après une semaine qui a fait qu'on a eu une telle première semaine? Avec Greg répond, non, ce sont les circonstances qui ont indiqué cela. La première semaine a été bonne pour nous, mais les deux derniers jours, c'est vraiment les conditions météorologiques qui ont fait que la course s'est déroulée de cette manière. Si vous avez les mêmes étapes avec les vents ou de la pluie, ça se passe complètement différemment. Si on a du vent, on peut avoir au milieu du Tour de France une étape qui ressemble à Paris-Tours, et du vent ou de la pluie, ça aurait pu changer complètement la physionomie de la course. Avoir le mur de Bretagne sur le parcours, c'était vraiment très bien. Le parcours était varié, mais on peut voir le parcours sur le papier, puis après, il faut être conscient que les conditions météorologiques peuvent changer une course cycliste du blanc au noir.